trouve que Community, qui est une organisation apprenante, en fait, c'est une compétence qu'ils essaient activement à travailler. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans une action d'une organisation apprenante, c'est-à-dire d'expérimenter d'autres manières de faire, sachant que ça ne va peut-être pas se passer parfaitement, mais c'est correct. On expérimente, on observe, on réfléchit, on améliore. Et je remercie beaucoup Community d'avoir le courage de faire ça publiquement avec tout le monde. Pour tenter d'optimiser un petit peu notre relation. Donc, que vous ne soyez pas un public qui soit, c'est ça, que vous ne soyez pas un public, mais que vous soyez des acteurs en même temps. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. La configuration de la salle est forcément pour quelque chose aussi. Aujourd'hui, vous voyez qu'au centre, on a des balles de laine. Alors, vous êtes invités à tricoter notre avenir ensemble. Pourquoi des balles de laine? Parce qu'aujourd'hui, on va célébrer le départ de notre doyenne au conseil d'administration, donc Malika. Alors, quand je suis arrivée à Communautique en novembre-décembre 2002, j'ai été invitée dans la même semaine à déposer la plateforme québécoise de l'Internet citoyenne, de l'Internet citoyen à l'Assemblée nationale. Et Malika a bien exprimé aux gens du gouvernement que les cours informatiques, ben, c'est comme des cours de tricot-crochet. Alors, ça me fait plaisir, Malika, de t'offrir de tricoter avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans toutes les parties plus protocolaires, je pense que ça serait bien aussi qu'on se présente les uns aux autres. Ce que je vous invite à faire, on ne va pas le faire tout de suite, ça va être qu'on se lève, qu'on traverse le cercle pour trouver quelqu'un qu'on ne connaît pas et juste de se présenter et de partager ce qu'on apprécie de Communautique puis notre vécu avec Communautique.